Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que votre début de semaine se passe merveilleusement bien. Vous allez voir, ce récap gaming de la semaine n'est pas si ouf que ça, mais il y a quand même des choses assez intéressantes. C'est parti pour le récap gaming de la semaine, let's go! On débute ces news gaming par une excellente nouvelle, puisque le jeu Ori and the Will of the Wisps est passé gold. Comprenez par là que le développement du jeu est terminé et qu'il sortira bien à la date prévue. Suite directe du jeu Ori and the Blind Forest, nous retrouverons le fameux personnage accompagné de ses précieux alliés qui repartent à l'aventure, remplis de surprises et de dangers. Ori and the Will and the Wisps est donc prévu pour le 11 mars 2020 sur Xbox One et PC. Une nouvelle bande-annonce de gameplay de My Hero One Justice 2 a été diffusée et permet de voir les nouveaux personnages prêts à débarquer dans ce jeu de combat. On y voit donc Mirio Togata, Tamaki Amajiki, Nejire Ado, Mina Ashido et Minoru Mineta. Le héros du manga, Izuku Midoriya, est présent également dans cette bande-annonce, dévoilant son shoot style et son full calling 100%. My Hero One Justice 2 est prévu pour le 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Pokémon Company se décide à communiquer autour du service Pokémon Home, qui est prévu pour février 2020. Ce futur service Pokémon sera un service de cloud qui permettra de conserver, gérer et échanger des Pokémon sur Internet. Ce système sera compatible avec Pokémon Épée, Bouclier, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, et la banque Pokémon sur 3DS au lancement, et plus tard avec Pokémon Go sur mobile. A savoir qu'un Pokémon importé depuis Let's Go peut être envoyé vers Épée et Bouclier ou retourné dans Let's Go, mais qu'un Pokémon de la 8ème génération ne peut plus être amené vers Let's Go, et bien évidemment les Pokémon provenant des versions 3DS ne pourront aller que vers les versions Épée et Bouclier. Il y aura 4 manières de faire des échanges. La première sera la boîte Miracle, qui permettra de déposer et recevoir un Pokémon au hasard. La deuxième façon se nomme le Global Trade System, qui permet de spécifier quel Pokémon l'on souhaite avoir. La troisième façon porte le nom d'échange de groupe, qui permet de discuter et de commercer avec jusqu'à 20 joueurs, et la dernière façon est l'échange entre amis. L'application Pokémon Home donne accès également à une fonction cadeau mystère, qui permet d'obtenir des cadeaux ou Pokémon spécial, de lire des descriptions et informations des Pokémon du Pokédex national, et de consulter des informations sur les combats effectués dans Épée et Bouclier. Il est important de savoir que toutes ces fonctionnalités ne seront pas identiques sur Switch et mobile. Par exemple, sur Switch, les points Pokémon collectés au fur et à mesure qu'un Pokémon est enregistré pourront être convertis en points de combat uniquement pour les Pokémon de la 8ème génération. Il est aussi mis en place une version basique et une édition premium avec abonnement au prix de 2,99€ pour un mois, 4,99€ pour 90 jours ou 15,99€ pour un an. La version premium permettra de débloquer l'import depuis la banque Pokémon, la fonction juge afin d'avoir accès à plus de détails sur les EV et statistiques des Pokémon, et également la possibilité d'augmenter les limites de dépôt. Et pour finir, les applications 3DS Poké Transfer et Banque Pokémon seront gratuites pendant un mois après le lancement de Pokémon Home. Voilà tout ce qu'il y a à savoir d'intéressant concernant le Pokémon Home, qui est donc prévu pour février 2020. L'éditeur Konami a décidé de répondre aux dernières rumeurs concernant le développement ou reboot potentiel du jeu Silent Hill. Le studio a donc envoyé un communiqué à PC Games N et a déclaré dans celui-ci qu'ils ne peuvent rien partager pour l'instant, mais ils écoutent les commentaires des joueurs et ils les étudient pour le prochain épisode. Konami n'a donc pas oublié l'une de ses licences cultes et il est donc fort probable qu'on entende parler de Silent Hill durant cette année 2020. La chaîne anglaise BBC a effectué une interview directement à travers le jeu Watch Dogs Legion. Et oui, même si le jeu a été repoussé à une date encore inconnue pour le moment, et que l'action de celui-ci se situe dans un futur proche où le Brexit a été voté et mis en pratique, la BBC s'y intéresse et a demandé aux développeurs si l'utilisation de ce thème politique actuel a entraîné des soucis de développement. Ils ont donc interviewé les développeurs directement à l'intérieur du jeu vidéo. Ainsi, le journaliste de la BBC, Mark Cieslak, a été reproduit à l'intérieur de Watch Dogs Legion grâce à la technologie de motion capture du studio et a interviewé le directeur créatif Clint Hawking. Le directeur créatif a ainsi indiqué que concernant l'inclusion du Brexit, il est de la responsabilité des créatifs de s'intéresser au monde qui les entoure et d'en dire quelque chose, comme peuvent le faire des œuvres cinématographiques et littéraires. On apprend également que l'actualité concernant le Brexit est bien entendu prise en compte et que certaines décisions sont effectuées sur ce qui est intégré ou non au jeu, comme sur la régularisation des drones ou les véhicules autonomes. Watch Dogs Legion est prévu à une date inconnue sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et des versions PS5 et Xbox Series X sont prévues. D'après un insider polonais, Cyberpunk 2077 aurait été reporté car le jeu ne tournait pas assez bien sur les consoles de salon actuelles. Le directeur de God of War, Cory Barlog, en a alors profité pour indiquer sur Twitter que tous les jeux ne fonctionnent pas bien tant qu'ils n'ont pas été optimisés pour la plateforme voulue et qu'il s'agit de la dernière étape avant que le jeu soit terminé définitivement. Un membre du studio CD Projekt en charge du jeu Cyberpunk 2077 a tenu donc à apporter sur les forums du studio certaines réponses concernant le report du jeu. Il indique ainsi que le studio optimise pour la Xbox One, pour la PlayStation 4 et pour le PC, car c'est ce qui est fait dans les derniers moments du développement du jeu.
Il poursuit en expliquant que pendant que le jeu est créé, beaucoup de choses ne sont pas optimisées, car elles sont toutes en mouvement, changeantes et toujours pas terminées, et que selon lui, un jeu est reporté simplement pour corriger les bugs, afin que celui-ci soit aussi soigné que possible, pour juste faire en sorte d'améliorer le jeu. Cyberpunk 2077 est prévu pour le 17 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Des informations sur le futur Resident Evil 8 circulent actuellement, et même si elles sont à prendre avec d'énormes pincettes, celles-ci sont quand même intéressantes et méritent que je vous en parle. Il est donc fait part, pour ce nouveau Resident Evil, du retour de la vue FPS, information confirmée par le site Eurogamer, selon des sources proches de Capcom. Le jeu verrait également le retour d'Ethan Winter et de Chris Redfield, il y aurait des zombies plus traditionnels, et des sortes de loups-garous seraient également présents dans le jeu. Aucune annonce officielle n'a été faite pour le moment, et les fans de la licence attendent d'en savoir plus de la part de l'éditeur Capcom. Granblue Fantasy Versus est prévu pour le 6 février 2020 au Japon, mais n'a toujours pas de date de sortie confirmée pour l'Occident. Eh bien réjouissez-vous fans de Versus Fighting, car Amazon UK prévoit la date de sortie du jeu le 27 mars 2020. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, la sortie du jeu est elle fixée au 18 février 2020. Habituellement, l'éditeur en charge du jeu sort ses titres le vendredi, et le 28 mars correspond à un vendredi justement, le dernier du trimestre. Granblue Fantasy Versus étant prévu pour le premier trimestre 2020 en Occident, il est donc tout à fait possible que la date soit la bonne. Sachant que l'éditeur a confirmé il y a peu que toutes les dates que l'on pourrait voir sont des dates de placement pour les commerçants, il ne reste plus qu'à patienter et attendre d'avoir le fin mot de l'histoire. Le DLC Remind de Kingdom Hearts 3, jeu auquel je vous invite à jouer tellement il est excellent, est sorti il y a maintenant 2 semaines. Quasiment au même moment, un autre titre de la licence Kingdom Hearts avait été annoncé. Il s'agissait de projet Xehanort, prévu exclusivement sur mobile. Portant désormais le nom final Kingdom Hearts Dark Road, le jeu mettant en scène la jeunesse de Xehanort délivrera beaucoup plus d'informations vers mi-février 2020. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Kingdom Hearts Dark Road est prévu pour le printemps 2020 sur iOS et Android. Pour finir sur Recap Gaming en beauté, une nouvelle bande-annonce du très attendu Final Fantasy VII Remake a été partagée. Celle-ci commence avec un flashback mettant en scène Cloud et Tifa plus jeunes. Viennent ensuite des séquences dynamiques où l'on aperçoit Scarlett, un combat face à Roche, l'officialisation de l'apparence de Rouge 13 ou encore la rencontre avec Ojo et Genovade. Vivement que ce jeu sorte, j'ai une envie folle d'avoir la manette dans les mains et d'y jouer. Final Fantasy VII Remake est prévu pour le 10 avril 2020 sur PS4. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine. Je vous invite à mettre un commentaire en bas de cette vidéo et à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. C'était votre gamer, Mikey le Mike. Salut!